Eh bien, bonjour à tous! On se retrouve pour la vidéo sur Ark, l'épisode 2. Alors, en hors caméra, ce que vous voyez à côté de moi, c'est Lekus. Et oui, j'ai fait la mise à jour donc. Je vous montrer l'inventaire. C'est vraiment bizarre. Donc, je me suis fait mélanger avec les tours. Et voilà, la grande surprise de la maison. Donc, j'ai un petit peu. Bon, j'ai pas mis grand chose dedans. J'ai eu du mal à faire les murs. Alors, j'ai découvert que Lekus, on pouvait le monter sans sel en fait. Et pour le tamer, il fallait des carottes. Alors les carottes, vous me dire comment je les ai eues. Bah j'ai simplement chassé. Et à un moment, je suis tombé sur un cadavre d'alpha. Vérité, hein. Et il y a eu des carottes dedans. Il y a eu d'autres trucs assez bien. Il y a eu des arbalètes. Mais ça, en fait, je pouvais pas les prendre parce que sinon, ils étaient trop lourds. Je pouvais plus bouger. Du coup, voilà. C'est pour ça que voilà. Alors j'ai des aussi pour le monter, lui il faut faire du rodéo pour l'apprivoiser, donc c'est assez particulier comme timing. On va dire que ça reste du timing passif, on va dire. On va le mettre tout de suite en neutre. J'ai vu qu'il était en passif, donc du coup il faudrait relever up. Alors j'ai monté pas mal de level. Alors je sais pas ce que j'ai fait trop en requin, mais j'ai pas fait grand chose. Alors les crafts, on va voir ce qu'on pourra débloquer. On pourra débloquer faire le bouclier déjà. Le fer et débloquer. On verra. Je vais regarder aussi. Il fallait que je regarde l'iguanodon. Parce que je sais pas c'est quel niveau ça celle. Donc on va regarder ça. C'est ça la celle d'iguanodon. Niveau 15. Je sais pas si les ganodons se bolassent. Apparemment ils ramassent des baies. Et du coup ça pourrait être pas mal. On va tamer les nouveautés bien évidemment. Et aussi des dinos anciens, on va dire. On en tamera bien évidemment. De toute façon on va être obligé. Hein. Donc le cheval, il est vraiment bien. Je le trouve cool. Pour voyager, il est sympa. Et ça marche pas avec lui. Montrer un peu là il assomme, là il donne un coup, donc ça ramasse des bêtes. Oh non, se barrer. Non, c'est pas bon, j'appuie sur une mauvaise touche parce qu'il me suit toujours. Oh, allez, je peux assommer un dodo avec ça, hein. Bon, j'espère que c'est bon. Quand même vachement grand le cheval, enfin, comme à peu près dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie c'est plus grand. Alors parce que eux, oh oui, c'est vraiment, hein. Donc là, ils ont l'air de vouloir m'attaquer. Non, c'est pas grave. Ok, on est tranquille. Non. Allez! What? Oula, on va descendre. Alors, c'est une technique pour pas moins de dégâts. Dans la maison, donc. Aujourd'hui, on va déjà farmer. On va surtout aller explorer. Ah. Tu vas m'ardonner mon truc et tu vas mourir. Attention, ça tu me l'ordonnes. Merci. Non, on va surtout aller explorer dans cet épisode. On est avec les Qs. On
me demandais s'il allait voir encore du temps. Il est bon, Nazar. Bon, ça va. Par contre, il faudrait pas qu'il y ait un raptor. Hein. Ça, ce serait vraiment bête. Il y a des raptors. Hein. C'est vraiment débile. Si on se fait tuer, bon, après, je sais pas si c'est difficile à tamer. Bon, les écus, le timing, de toute façon, on fera un couple d'écus. Mais le timing, franchement, l'écus, c'est pas plus passionnant, quoi. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi une selle pour l'écu, mais elle servait à avoir un mortipilon. Alors, on va regarder tout ce qu'il y a dans la selle. Je sais pas du tout. Donc, écus, écus, allez vite. Écus. Non, mince, il n'y a qu'un cul. Niveau 25. Bon. C'est pas mal. Alors, la mission aujourd'hui, ce sera d'explorer. Ou de tamis. Alors on va essayer de voir si lui on peut l'assommer avec. Oh mais c'est trop stylé. Le mec. Oh mon mec. Ce truc est trop stylé. Bon. Bon, bah on peut le tame. Vu que, ah, par contre les thèmes de par hasard, je ne ferai pas de coupure. Par contre, le thème de T-Rex, tout ça, oui, je ferai des coupures. Hein. Là, ça va aller assez vite. Oh, nice, ça marque le timing. On a 12%. Ah, ça, c'est bien. Ça marquait pas sur Xbox. Et même avant la mise à jour Play, ça marquait pas non plus. Alors, il y a vraiment des graines aussi. Alors, l'idéal sera d'en trouver un iguanodon pour le thème. Après, l'iguanodon... Je ferai sûrement le tame avec vous parce que c'est dommage, vous avez pas vu le tame. J'avais pas pensé à record. Je me suis dit, ouais, je vais le faire comme ça. Donc pour les guanodons, vous inquiétez pas, je vais pas vous oublier. On va le faire avec vous. Le tame intégral, on verra si c'est trop long ou pas. Là, c'est par hasard, c'est pas trop compliqué à tame. 12%, au moins on sait si, comment il a mangé quoi. Ça avance de 12. Oh, ça va. Ça va, ça va. Après il nous faudrait la selle. Du coup la selle. Alors là. La selle. Il faudra que je la prenne déjà. On va faire le bouclier vite fait. Alors, la selle. Je sais pas si je l'ai pris en fait. Pas sûr de l'avoir appris. On va regarder ça tout de suite. Je crois que je l'ai appris. Hein. Bon, ça, je l'ai pas appris. Bon, alors il va nous falloir quoi? Sur le coup, je sais pas ce qu'il va. Qui va nous manquer sûrement de la peau sans doute de la peau et un peu de bois. Bon ça va. Alors j'ai pas trouvé comment on baisse trop le son du jeu. 58, mais ça va vite le par hasard étant donné que j'ai mis en x2 hein, donc c'est vrai que ça va assez vite. C'est en x2,5 sauf le timing qui est en x1,5. Donc l'écus il est pas trop mal finalement, il est bien. Franchement l'écus c'est pas un dino qui sert à rien. Enfin c'est pas une créature parce que c'est pas un dino, c'est un cheval en réalité. Par contre il est super beau. On va lui choper un de cette couleur. Après apparemment il y en a des autres couleurs. Donc là il a pas mal de baies. Ah oui aussi, donc là on a lui et on peut cliquer donc dans notre inventaire avec nos objets et tout. Ça c'est un truc sympa aussi. What? Oh le bâtard. Assomme-le. Voilà, tu l'assommes. Alors par contre vous avez vu que sa torpeur monte super super vite. Du coup pour m'endormir. Ça sert à rien m'endormir en réalité. Mince. C'est pas mal hein, franchement. C'est une série arc,
Alors, j'ai vu tout à l'heure que vous pouvez avoir des informations. Comment j'ai fait, je ne sais pas. Ah oui, aussi avec R3, je peux faire ça. Bouge pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire sa selle. Sans doute. Donc, du coup, on va essayer d'aller tuer des trucs. Des trucs pas trop violents. Oh, je sais pas si on va y aller avec les cuves. Oh, il va y avoir plein de gens. On va éviter d'attaquer autant. Le strike, on va éviter aussi. Il y avait un spino là. C'est pas fou, il y avait un spino ou un mégalodon. Ouais, il y avait un mégalodon. C'est pas fou. Là-bas, il y avait une marécage. Magnifique. C'est magnifique. Mise à jour est magnifique. Je vais répéter à mon ami. Mais... ça me plaît. Elle me plaît. J'aime bien. Oh là, je trouve que les crasses. Alors, oh là, désolé. Je viens de le voir. La peau. Est-ce qu'on aura cette peau? Je ne sais pas du tout. Je crois qu'on a un petit dernier dodo qui va nous sauver. Ah yes! C'est bien. Ça m'a donc. C'est pour ça qu'on le tue. Ah, il y a quand même. C'est quand même mon spipi de d'habitude, hein. Notre spino d'habitude. Bon, c'est moins chiant que les loups en tout cas. Hein. Franchement, s'il y avait bien un dino qui devait être à côté de moi, c'est bien le spino et pas les loups. Hein. Alors là, les loups c'est... ok, le spino c'est plus fort, mais... ok, il y a des spoils, ça. Le loup 10 fois... enfin, le spino 10 fois... non, mais bon, qu'est-ce que c'est moins chiant. Les loups, mec, ils sont par 6, c'est bon, t'es pas mignon. À part c'est pas la vitesse max, mais mec. J'ai vu que sur les volants aussi, apparemment, on pouvait pas monter la vitesse. Et apparemment. Bon, d'un côté, ça nous oblige un petit peu à faire un peu de voyage. Pas monter full et puis arriver en 2 minutes là-bas, quoi. Sur un coup, c'est pas trop mauvais finalement. Vous avez fait ça. Il y a la stun de pas mal de dinos qui bug. Enfin, il y a pas mal de trucs, mais bon, ça va être corrigé. Enfin, j'espère. Donc, il y a un truc que j'ai pas mal augmenté, c'est la nuit. Sur le coup, la nuit, il y a pas super vite. Vous allez remarquer la vitesse. Ça va pas si vite. J'imagine c'est comme avant. Tac, on va dans celle. Celle. Allez, il fait déjà jour. Je sais pas si lui ils ont remasterisé le bruit, je crois pas. Je crois qu'ils ont fait Terra Dodo, c'est sûr. Après, je sais pas forcément. Bon, du coup, on a tamé un par hasard. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et vous abonnez, non je déconne, la vidéo va pas s'arrêter là, je rigole, c'était une blague. Donc on va continuer, on va augmenter la vitesse encore. Je suis déjà niveau 12, hein. Après c'est pas mal, il nous faudrait... qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on va arrêter vu qu'on n'a pas grand chose à faire. Donc prochain épisode, on verra si éventuellement on tame l'iguanodon. Déjà on va commencer à passer mon niveau 15. 2, donc bien sûr je vais faire du hors caméra, donc je serai peut-être niveau 15, mais vous inquiétez pas, je vous attends pour les guadonnons, y a pas de problème. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.